Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales. Alors, j'ai un peu vidé l'inventaire. Et j'ai tué nos cochons. Nos sangliers. Je les ai abattus, nos sangliers, parce que on a vu la dernière fois, dans le temple, où que, bah, il y en a un qui a failli crever. En fait, ils sont très très fragiles, ils ont quand même pas de vie et tout ça. Genre, même le ratope est mieux, en fait. Plus de vie et tout ça. Donc, je me suis dit que, au lieu de les perdre bêtement, autant les faire maintenant. Et ils m'ont donné énormément de viande. Je crois que chacun, c'était entre 60 et 65 morceaux de viande. Donc je suis quasiment sûr, je crois que c'était pareil pour l'early, quasiment certain que plus on les garde longtemps, plus on les nourrit en fait, et plus ils deviennent gras. Je suis quasiment certain de ça. Donc on peut voir, on a 134 de morceaux de porc. C'est un peu abusé. Tiens, j'ai deux carcasses, on va les mettre là. Je voulais les jeter, mais je me suis dit, on a un coffre. On a un coffre qu'on peut remplir, donc pourquoi pas garder les carcasses. Peut-être qu'on peut en faire même du cuir, je crois, plus tard. Donc ouais, on va garder ça. J'ai fait un peu plus de givre acier. J'ai fait des nouvelles armes aussi, je vais vous montrer. Mais voilà, je garde les porcs grillés. Ceux qui sont crus, je les dépose là. Le truc marrant, c'est que si jamais un jour ils rajoutent le fait que la nourriture en fait pourrit, honnêtement, ça va être compliqué à jouer. Ça va être très très compliqué à jouer. Enfin, quoique, au final, on ne devra pas faire de nourriture en surplus. Mais sinon, ouais, on consomme du coup 43 et on est à 37 jours. Rien que sur nous, on est à 37 jours. Genre, si je mets ça dans l'inventaire, on passe à 49 jours, c'est débile. Enfin voilà quoi, ça va. Pour le poids, ça va, on est à 440, j'ai fait pas mal de vide. Donc ça va, ça va, ça va. Je vais vous montrer l'équipement des gens. Donc j'ai fait deux armes, j'ai fait la hache, elle est très jolie, hein, on peut voir là que c'est tout décoré. J'adore les détails. J'adore les détails. Je voudrais bien qu'on puisse pouvoir mettre le personnage en grand, en fait, honnêtement. J'ai mis du critique 10% dessus. J'ai fait aussi des potions, parce que j'avais de la poudre. J'ai mis un peu de critique dessus. Tiens, en parlant de ça, Philacte est devenu alchimiste maître, du coup. Donc, peut apprendre des recettes et concevoir des décoctions de maître. Et c'est bien parce que j'ai vu maintenant ce que ça faisait en fait, les résidus et tout. Genre quand je faisais du métal et des potions surtout, ça fait des résidus d'alchimie, les potions. Et on peut récupérer un peu de poudre en faisant d'autres trucs. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Donc oui, donc elle a une nouvelle arme. Honnêtement, on passe à 45 de dégâts. C'est vachement bien. Alors que l'autre c'était 38 je crois le maximum de dégâts, donc elle était un peu bas en niveau. Après j'aurais pu partir à la fraternité là pour augmenter l'arme, je me suis dit ça fait beaucoup d'argent pour une arme qu'on va sûrement jeter au bout d'un moment. Donc j'ai préféré crafter parce que j'avais de l'équipement. Lui je lui ai mis du critique aussi de 10% sur son épée. Elle, j'ai aussi changé son arme, parce qu'elle, elle commence à être un peu basse, son épée, son arme, même si elle est... Merde, putain, qu'est-ce que je fais ? Même si elle était vachement bien, le fait de pouvoir augmenter, en fait, la défense, à chaque fois qu'on tapait. On va dire que ça devenait léger en dégâts. Donc voilà, nous sommes à ça, donc des 50 de dégâts à toutes les unités dans la zone, donc vraiment bien. Et j'ai mis du critique, donc elle a 34% avec la nourriture. Et si elle fait du critique... Non, il n'y a rien, il n'y a rien de spécial. Il n'y a que la hache qui est pas mal, ça fait saignement, ça fait du critique. Donc voilà, c'est la 48%, donc ça va. Donc j'ai fait ça. L'élan, j'ai pas mis de critique. Non, si, j'en ai fait une seule. J'ai mis du critique aussi sur l'huile d'affilage. Donc ça c'est bien. Par contre, cette dague, il faudra l'augmenter. Et après, oui, j'ai mis aussi du critique sur l'arc d'Alazar au final, je l'ai fait. Parce que c'est vrai que de pouvoir faire ça là, le fait d'augmenter en fait, de faire du saignement quand on fait un critique, c'est quand même vraiment pratique. Après, c'est vrai que en théorie, on devrait utiliser un autre arc.
Ingrane, en fait, elle devrait faire beaucoup plus mal. Mais bon, comme j'ai dit, le coup des... Moi, j'aime beaucoup les AOE, en fait. Le truc, c'est qu'il faudrait... Il faudrait ça. Je pense que ça, c'est un truc que je vais prendre pour les archers. C'est ça. Le permet d'équiper un deuxième arc et d'en changer pendant le combat. Moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Je pense que ce sera très intéressant pour les archers. Et quasiment seulement pour les archers. Le reste, c'est peut-être mieux de prendre des habilités. Après, les habilités sont bien, mais je pense que à pouvoir changer d'arc, surtout qu'il y a des arcs vraiment bien spéciaux maintenant, je pense que ça va être vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, les voix, ça a augmenté aussi. Maintenant, mystère et connaissance, je suis à 7. Et j'ai donc pris braconnier, donc chance de capturer un animal augmentée de 50%. Ça, c'est super bien. Et on a nouvelle recette d'alchimie, Apahara. Alors, Apahara. Donc, c'est pour faire... Donc, on a le remède contre la peste. Ça aussi, il faudra qu'on le débloque. Apahara. Ça y est, on l'a. Donc, verser un nid de... verser sur un nid de rat, cette huile permet de le reconstituer en 8 heures. Mais qui voudrait faire ça? Qui voudrait faire cela? Ça va, c'est pas... Je crois que ça, c'est super... Oui, c'est 2. On va pas en faire. On va vraiment pas en faire parce que c'est lourd. Mais on a tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on... Tout ce qui est de... nécessaire. Donc ouais, on peut aller farmer les rats si on veut. Quoi d'autre? Bah, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. J'ai encore 2 points de connaissance. Pour le moment, je les garde. Je pense. Quoique... On peut prendre à la limite... je sais pas si cannibalisme, en fait, ça débloque quelque chose d'autre. Je crois, avant que... Je pense que ça débloquait quelque chose. On peut désormais dévorer les carcasses. Je pense que... On pouvait, genre, tanner les carcasses des gens. Oui, parce qu'on n'a pas encore le truc. Je crois qu'on pouvait le transformer en cuir, en fait. Je suis quasiment sûr que ça existait. Le fait de pouvoir transformer les cadavres en cuir. C'est un peu bizarre, hein, mais je crois que je suis quasiment sûr qu'on pouvait faire ça. En tout cas, on a toujours notre rat taupe. Voilà. Là, je crois qu'on a, tout dit. On va pouvoir partir. Alors... Alors, les rats, on va pas les... Je pensais faire le boss. Genre faire ça, ça et ça, et faire le boss, peut-être. Je pense qu'on devrait pouvoir le faire. J'ai un peu peur que ça soit très haut niveau, mais... Ou alors on attend encore un petit peu. Our role as emissaries. Une rumeur, l'ancienne colonel Alexa Gratan... se trouverait dans la province. La Légion offre une grosse récompense pour sa tête. Ah, c'est quoi? Après, je vais être France. Peut-être qu'on va pas le faire. Hein. Mais on la prend. Je vais juste prendre ça. Augmentation récente d'attaque, Carval. Okay. On va pas négocier parce que j'ai plus de... Vertrus, c'est peut-être un peu abusé, en fait. Vu qu'on a 2 lieux pour récupérer des quêtes, du coup, on a des quêtes de partout. Quoi. Ouais, pour se faire de l'argent, c'est pas mal, en fait. Peut-être un peu trop. Allez, on va mettre ça. On va tous les faire. On va faire un peu session... quête, je dirais. Non, merci. Faire la session quête. Putain, on va être fatigué. Vas-y, on va se reposer. On va se reposer maintenant. Très bien, on va prendre donc
Non, on en a plus qu'un de ça. Ça c'est chiant, ça c'est la force. La force, la force c'est bien ça, force. Force en plus ça augmente les dégâts critiques théoriquement. Donc, on va prendre celui-là. Et on va prendre... Critique augmentée. Voilà. Autant se, se reposer en avance. Alors. 11 sur 12. Nickel. Ok, très bien. Ouais, je sais pas si on, le boss, ça va être difficile ou pas, je me rappelle plus. Bah après, je crois qu'on peut voir son niveau, en fait. Et après, on peut choisir d'attaquer ou pas, du coup. Non, putain, mal placé. Comment, est-ce qu'on peut passer par là? Oui, on peut passer comme ça. Ménette. Duan, tu vas te mettre ici. Laura, on va tester ta nouvelle arme. Top l'endroit, j'aime pas trop l'endroit. Ok, Laura. Fais voir c'est quoi comme attaque du coup. Ok, on repasse à ça, ça marche. Oh, putain. Non. Ah, du coup, c'est... On a moins de chances de toucher une personne. De... Enfin, pardon, de toucher plusieurs personnes. On va avoir nettement moins de chances. Tiens, t'as qu'à y aller, Sidéa. Joli. Joli, joli. Je crois que s'ils veulent partir, on va les faire partir. Comme ça, on n'utilise pas beaucoup de points de vie. Ah merde, attends. Ouais, c'est trop tard. Là, il y a la Joan. C'est Sparta comme d'habitude. Le coup de pied critique, quoi, c'est ouf. Parfait.
J'aurais dû faire peut-être la charge en premier. C'est pas grave. Je pense que ça le fait. Ouais, c'est pas mal. Tu vas peut-être mourir. Oui, tu vas mourir du saignement. Ouais. Il y en a plus que deux, donc autant, autant partir. Très bien. Allons voir le boss. Allons voir le boss. Autant moins se fatiguer hein, de pas trop utiliser de bravoure. En fait, faudrait regarder si on arrive à finir, finir avant la fin du tour ou pas. Ah oui, c'est ça. Les ratopes qu'on parle avec des gens, en fait, en gros, à chaque fois qu'on a un écran où on est dans un endroit, on a une chance de trouver du fromage en fait. Ah oh, putain, je suis en train de faire le tour. Ouais, mais. Ouais, bah c'est. Oui, c'est pas, ça va. C'est pas grave. Donc, c'est pas si mal en fait. C'est vrai que même à parler avec des gens, on a une chance de trouver du fromage du coup. Même quand on parle. C'est bête ça, ils auraient dû vraiment le. Bien le faire. Ça gâche un peu là, qu'il y ait une ouverture là. On n'a pas vraiment besoin de retaper. Enfin, on pourrait, hein, ça nous fait du cuir, mais j'ai pas vraiment envie là. J'ai vraiment pas envie. Alors, déjà. On va aller faire eux qui traînent là. Ouh la vache! Des niveaux 7. Ok. Bon, après on est boosté en nourriture. Après, vous n'êtes pas super bien équipé non plus. Donc ça. Essayer de massacrer tout le monde. Mais non, ils sont pas si mal équipés en fait. Hein. Ouais, faut faire gaffe. Je l'ai mis où, Laura? Elle est où, Laura? Elle est là. Joli. Ah, j'aurais pu faire. Bon, bah, j'ai rien dit. C'est très bien. C'est vrai que le bouclier, hein, le bouclier.
Le bouclier, il aide. Alors, on va tester un peu ça. Ok. Archer. Très bien. Archer ici aussi. Ouais, ils sont pas nuls. Après, comme j'ai dit, hein, niveau 7, niveau 7, voilà quoi. Ah, c'est elle qui gêne. Il y a... Ok. Je me disais. Il est bon là. Des fois, je mets du temps à être sûr parce qu'après, ça crée des problèmes entre les membres. Donc, je veux être certain de pas merder. Attends, on va se mettre là comme ça. Comme ça, lui, il touche les deux là. Donc, si jamais lui il vient sur moi, enfin sur hacker, pas hacker, putain. Sur lui, j'ai oublié le nom. Sur Philact. Hacker, c'est celui-là qu'on a gratuitement. Sur Phila qui pourra contrer. Pas mal. Très bien. Je sais pas si je vais pouvoir... Ah si. Ça va, pas mal. Deck. J'aurais dû mettre plus de la boue de ce côté-là, parce que je vais le pousser. Je devrais d'abord faire ce tir-là, en fait, le tir de recul. Ah putain, il va aller sur mon rat. Ah la vache. Putain, mon rat, bordel.
Tu vas pas contrer si je te tape. Non, c'est bon. On peut faire ça. Hop là. Combien de rats t'as invoqué? J'ai l'impression qu'il y en a eu plusieurs. Non, un seul. Un seul de niveau 7. Motivé, les gars, c'est marrant. Ah, c'est l'un ou l'autre. Fouf. Pas notre rat. Putain, j'aurais été triste hein, si le rat meurt. Oh là là. J'aurais fait la gueule. J'aurais franchement fait la gueule. Plus qu'une personne, donc on va le tuer. Très bien. Ah, c'était un peu chaud. Dratop a été blessé. Voyons. Mais en plus, c'était même pas des mecs qu'on doit arrêter. Sérieux. J'ai même pas fait attention. Enfin, c'est peut-être atteint un des groupes, je sais pas. J'ai envie de faire le boss. J'ai envie de faire le boss. Legion spares me the dishonor of being chased down by my own brothers in arms. Alors elle a une hache et je viens de crafter une hache. Ça fait plaisir. That is most gracious on the general's part. The usurper finally shows a shred of decency. Unfortunately for you, that will not be enough to make me surrender. Elle est niveau 7. Je pense que ça passe honnêtement. Quasiment sûr que ça passe. Allez, go. Bonne tranche. Alors, dégâts à toutes les unités. Les dégâts sont partagés entre les unités touchées qui subissent autant d'applications que d'effusion de sang. Perd 1 de santé par application à la fin de son tour. Puis est retiré. Pendeuse. Cette amata est celle d'une colonnette de la Légion. Sans doute l'une des armures les plus précieuses et prestigieuses qui puissent exister. Bonne tranche. Les dégâts sont partagés entre les unités touchées. Pensez à éviter à moins de 50% de santé à la brutalité. Alexa Grattan. Je crois que ça, il faut être plusieurs à se faire toucher en fait avec. Partager entre les unités touchées. Je sais plus. Alors. Douane.
Il faudrait genre l'affaiblir. Doit à quoi? Affaiblissement, dégâts réduits de 50% pour un tour. Dégâts réduits. On lui enlève. Très bien. On va essayer de l'empoisonner directement. Non, on va pas faire ça. Ok. À peine 13. Ça va, il a beaucoup d'HP. Donc y a pas de problème. Parce qu'en fait, ça va faire des dégâts sur sa vie. Et là, on lui a réduit son attaque, donc ça va aller. Ça va aller, ça va aller. J'ai envie de jouer... Tarus maintenant pour mettre beaucoup de poison, en fait, rapidement. Par contre, on va peut-être pas faire l'âme toxique. Mais c'est surtout pour l'empoisonner au max, pour lui faire beaucoup de dégâts, parce qu'elle a beaucoup de vie. Limite lui mettre le feu aussi. Voilà, la 10. Parce que si je fais ça... Ouais, 102 de dégâts, c'est pas... Enfin, c'est énorme, hein, mais 102 de dégâts sans critique. Alors là, t'es à 255 de dégâts. 102... Ok, est-ce qu'on peut encore rajouter quelque chose? On lui a détruit la garde, affaiblissement elle l'a toujours. Ah oui, toi tu peux te mettre à côté. Oh putain, le déplacement il est pourri quoi. Voilà. Ça dit que c'est divisé. Je vais la mettre à côté. Attends, c'est... non, le, c'est Ménette. Je vais le mettre à côté, Ménette. Voir si on peut pas diminuer, diminuer les dégâts. Voir. Ok, t'as eu que 20. Ouais, ça a été quasiment sûr, ça a été du coup là on a quoi? Il va falloir la tuer.
6. Je crois qu'on va la tuer. Faudrait lui faire un tout petit peu plus de dégâts. Genre pas beaucoup, comme ça c'est Johan qui les tue. C'est bon. Je voudrais que ça soit Johan en fait qui l'a tué. Comme ça, vous savez, il va dire que machin c'était un super combat. Ouf. Voilà. On a gagné. Je pense que ça marche normalement en contre, hein. Quasiment sûr que ça marche, hein. Aussi. Niveau 7. Ah, ta volonté. Toi, tu m'embêtes un peu, t'as pas vraiment... Bon, allez, on va te mettre volonté. Et on a la nouvelle hache. Mutilation. Non, bonne tranche, pardon. Mutilation, c'est celle-là. Bonne tranche. Avec les effusions de sang. Les dégâts sont partagés entre les unités touchées qui subissent autant d'application que deux effusions de sang. Voilà. C'est bien. Ça sert à rien. Aïe, 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 aïe. Ça ne sert à rien. Content. On remonte. Mais ouais, j'espère vraiment que ça marche. On peut voir les dégâts. Dégâts de l'âge. 43. Ouais, elle est vraiment le... Elle est niveau 7, c'est pile poil... Ouais, enfin non, non, on peut encore l'augmenter d'un niveau. Déjà. Mais ouais, j'espère vraiment que le contre fonctionne avec... Genre, elle va... Le mec va dire, ouais, c'est un super combat, machin. Là, je cherche quoi, moi? Casse-toi. Vaincre la bande de Kotlin. La bande de Kotlin. Ils sont... Ah, ils doivent être... Ah, là! Contre la paroi, je viens de les voir. En fait, faut tanker à plusieurs, à la limite, pour... Pour pas avoir trop de dégâts. I should warn you, this Gosenberg wine is for connoisseurs. Only the most discerning palates will truly appreciate it. T'es de ma gueule. What do you mean vinegar? Since when are mercenaries wine specialists? The Gosenberg vintners' claims are baseless. Who says they didn't get their barrels from us anyway, huh? Faisant passer l'horrible picrate des Dorans pour du vin de Gosenberg. C'est parti. Je sais pas s'il y avait des quêtes comme ça avec... Il y en avait des petites quêtes où il y avait un peu de conversation et tout ça, mais là il y en a beaucoup plus, je crois. Ah putain. Alors, après avoir subi deux attaques d'unité dans un même tour, unité gagne fureur. Chaud. Ils vont être... Ah, il y a là... T'es sérieux, il y a les deux archers ici. Duan, tu vas te faire les archers, maintenant.
Est-ce que j'ai assez de place pour mettre tout le monde là? Oh la merde, s'il est à... Lunettes... Voilà, 5. Ça va. Fragilité, ça fait chier ça. Putain. On va essayer de tuer l'autre aussi en riposte. Il va prendre un peu cher, mais... L'armure, c'est fait pour ça. De toute façon, j'avais course. Si jamais je le tuais pas et que j'étais bloqué, j'avais course. Je vais le laisser avancer, comme ça il se prend une flèche et il y a Siléa qui va l'attraper. C'était pas des... Ouais, mais c'est un gros tank lui. C'est un peu normal qu'ils prennent pas cher. Hop là. Ouais, c'est pas passé. C'est pas passé grand chose.
Joli. Oh merde. Oh, t'as rebougé. T'es un... Ah, t'es bien con. Ah, t'es bien, bien con. C'est bien parce que ça, ça ignore maintenant la garde. Donc du coup, je peux vraiment faire très mal à l'armure. Et maintenant, il n'y a plus de garde. Donc je peux faire ça. Et très mal. Joli. Peut-être, j'en sais rien en fait. J'ai envie de changer de... Je sais pas. Ah, mais... Non, ok, j'ai compris. Non, c'est bon. Je me suis dit, c'est quand même vachement bas hein, en dégâts. C'est pas normal. Hein. Oui, non, c'est pas normal. C'est parce qu'il a le... Il a le... La défense, en fait. Un peu trop de bravoure. Oh la vache! Tiens, tu t'apprendras, saloperie. Toi, tu vas te prendre des buffs. Ça va. Ça a lagué, je me suis bien déplacé. Ou pas? Ah putain. Ça aurait été cool. Hop là. Et mange-le, le rat. Ah, des fois, ils font mal, hein, c'est con. Hein. Okay, très bien. Par contre, on a eu des trucs sympas. Là. Faut que je regarde. Alors, on va continuer pour les autres missions, là. Dormir maintenant. Alors, fais voir un peu ça. 8 de dague. Se désengage et inflige 50% dégâts aux 3 ennemis les plus proches dans un rayon de 4 mètres. Ouh, c'est marrant ça. Garde de cette dague se révèle très utile pour fracasser les tempes des ennemis. Oh, garde ancienne. On va la garder ça. Première fois que je vois ça. Et après, le tourbillon sournois. Oui, non, ça c'est le. Ça aussi, on va le garder. Intéressant. Ça, c'est bouclier contre les tirs de flèches. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça dépend encore une fois hein, comment vous jouez. Hein, mais ça peut être vachement bien. Enfin, vu qu'il n'y avait pas trop le choix à l'époque en bouclier, j'essayais souvent d'avoir ça sur tout le monde. On pouvait pas le crafter. On pouvait pas le crafter. Du coup, il fallait le trouver. J'essayais de savoir ça sur mes tanks. Ils étaient vraiment très très résistants.
Explorer ce tombeau est la meilleure idée qu'on ait jamais eue. On a gagné en cohésion, en expérience et surtout on s'est mis plein les poches. Statue bruyant. Zone d'agression des ennemis dans un monde augmenté. Relation avec tout le groupe. Il est inspiré. Bon, on n'a qu'à mettre relation. Waouh! Enfin, faut peut-être encore attendre pour que. Que Doan y fasse quelque chose là. Putain, j'espère vraiment qu'il va avoir le bonus. Hein. Enfin, après, c'est genre immunisé à la terreur, je crois. Honnêtement, c'est pas. Hein. C'est pas vraiment. C'est pas le truc qu'on a vraiment extrêmement besoin, mais. Je veux bien. Voilà quoi. C'est bien lui qui l'a tué, la truc elle est pas morte d'un dot, hein. Il lui a enfoncé son épée dans le ventre. La demeure d'Alazar c'est fait. On va loin. Quoi. Je pensais pas que c'était aussi grand, Vertruse. Oh. Il y a un truc. Là. Il y a du métal. Là peut-être du coup. Ouais. Secret, course, premier soin et un laissez-passer qui permet de traverser une frontière sans payer. Ça tue ? Ça tue ça. Alors, faut voir les objets, les livres. Alors, premier soin et course. Course, ça peut être bien sûr pas mal de gens. Sur un tank peut-être. Ils ont course. Ah, on va le mettre sur Arnu si jamais il se fait engager. Parce que elle, une graine, elle peut faire course. Donc elle peut se désengager. Arnu, il peut pas. Enfin, sans se prendre un coup dans la gueule, hein, c'est ça que je veux dire. Alors, premier soin. Toi, t'as premier soin. Toi aussi, t'as premier soin. Quasiment tout le monde a premier soin maintenant. Magnifique. Mine de fer. Faites pas attention à nous. Oh. Legs. Do you mind? Ah, désolé. I knew I should have bought slaves. Look at them, striking. How will I feed my family if all work at the mine has stopped? Help me. You simply must. Effrayé suffisant le patron et on va avoir un tamis. Je connais cette icône, mais je me rappelle pas. Pas de ce que c'est, honnêtement. We work for a pittance all day and sometimes all night in stuffy galleries that could collapse at any moment.
We won't go back to work until the boss agrees to our conditions. We want more crowns, enhanced safety measures, and a day off for the Festival of Light. Yeah, but... If you negotiate for us, we will pay you handsomely. Convaincre les grévistes qu'ils doivent reprendre le travail. Look at them. Striking. How will I feed my family if all work at the mine has stopped? On va faire lui. On va menacer lui. You simply must. On va être recherché par la... par les gardes, mais on va avoir Tamis. These wretches are threatening to bury me alive in my own mine. The louts. They're insane. I should have known. The strike itself was an act of wanton savagery. Thank the eye you warned me. I probably owe you my life. Ce qui est marrant, c'est que dans un sens, il nous remercie, mais on l'a... Enfin, en fait, on lui a fait peur, quoi, en gros. He agreed, you say? It's a miracle. We've been trying to convince him for weeks. Brokers, beware. These mercenaries are master negotiators. Take this reward with our heartfelt thanks. Alors, le tamis, ça fait quoi le tamis? Augmente les chances de trouver des pierres précieuses en minant. Pas mal. Pas mal, pas mal. Nous, on a chance de trouver du grès. Ben, voilà. Voilà, c'est mieux quand même. Le grès, on peut l'acheter. C'est plus vraiment ce qu'on a besoin. Please do come by again. We may have bonuses to negotiate. Faut regarder en haut aussi. Ah, y a des jobs comme ça qui sont un peu difficiles à monter, comme je disais. Genre mineur, une fois que vous avez le maître, vous récupérez quand même beaucoup plus d'extra. Donc, prendre une autre personne pour repartir de novice, c'est un peu relou, quoi. Surtout que là, on récupère du minerai qui est rare. Genre, l'agglomérate gris, l'éthérite. Donc, ouais. C'est pas vraiment des trucs qu'on voudrait mettre de côté, quoi. Oh, je devrais savoir. Donc ouais. S'en va. Ouh, c'est rouge. Intéressant. Might I interest you in my humble ways, my good sirs? Tiens, tu peux avoir ça si tu veux. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ah là là, oui, venez. You are wanted for a number of crimes. We will not let you go until you have paid the fines you owe. Qu'est-ce qu'ils disent? Don't take it personally. Vous avez menacé le propriétaire de la mine. Thank you for your contribution. Oh my! Look at these huge pigs. C'est pas des cochons. It reminds me of my parents' pigsty back in the day. As a child, it was often up to me to feed the beasts. Enfin, techniquement, oui, mais... Come here, you little piggies. My eyesight isn't what it used to be. Cornet, et si on a des raisins, on récupère le cornet aussi. Ah, fait chier. J'aurais bien voulu utiliser les raisins, en fait. Cela, il faut le protéger, le mec. Le mieux, c'est de...
utiliser des raisins. Tu seras protégé, mec. Il faut un plus gros tank derrière. Le truc c'est que si je tape une cible, ça fait plus de dégâts. Ouais, enfin bref, c'est pas, vous avez compris le système. C'est pas trop grave. C'est du pareil au même au final. Toi tu vas mourir, toi tu vas mourir. Enfin tu vas mourir après ton tour en fait. J'aurais pu encore taper, putain. Tiens, je suis en train de voir que la Léocie elle a ça. Charge. Ah, faudrait que j'en capture une de Lé. Qu'on voit un peu ce qu'elle peut faire. Maintenant que j'y pense. Ouais, je vais essayer de capturer une lait. Alors, par contre... Comment ? Si je peux y arriver, je vais tester un truc.
Ah putain. Elle est pas engagée. Toi tu vas te mettre là parce que si elle t'engage toi tu vas la défoncer. En théorie ça devrait être beaucoup plus simple. On devrait... Sûrement on va être à 100% hein, pour la capturer, je dirais. C'est marrant, ils ont défiance, sanglier. Chaque fois qu'une unité termine son tour adjacent à une unité ennemie, elle gagne riposte. Même les animaux, ils ont des trucs vraiment pétés maintenant. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas... J'ai plus de cordes. Et ça. They slaughtered the pigs. Hey, what? Please, I don't want to die like these poor beasts. Here, take everything I have, but please spare my life. Ah, les serrures sont plus simples à crocheter. Ouais. Bon, par contre. Sans déconner, j'ai pas de corde, c'est ça? Non, j'ai de la corde, c'est bien ce que je pensais. Donc on pouvait sûrement pas. Ouais, non, là ça aurait été mieux avec des raisins, honnêtement. Allô, connais champignons. Ah, ça va, ils sont verts. Retournez dans la forêt, comme ça on vous prend en embuscade. Assassiner la troupe de Robmauer. C'est parti. Ah, on va rentrer. Ça va faire beaucoup d'argent. Ah, par contre, on n'a plus trop de bravoure. Va falloir que. Par qu'on booste bien la bravoure là au début là avec, avec Laura. Alors. Un de lag. On fout ce lag. Alors. Et là, Laura. Alors, Laura. Ok, fais voir la tête. Ouais, si elle touche une cible. Ben voilà quoi. Ah,
Sérieux. C'est encore pire de le laisser en fait devant les ennemis et de pas les engager. Parce que dès qu'ils me tapent, je fais ça. Puis après, je sais pas pourquoi ils ont tapé deux fois en fait. Attends, il y en a un autre. Non, c'est pas un épéiste. Je sais pas pourquoi il a tapé deux fois. Ouh, c'est quoi ça? Heurte d'engagement. Si la cible est engagée avec cette capacité, c'est éviter gain riposte. Enfin bref. Carnage. Bien. BBM. Ouch. Joli. Ah, celle-là, elle passe mieux dans la cage thoracique, je crois. Et vu qu'il n'y a pas de dents, je crois que ça va mieux. Ça, c'est pas abusé du tout, c'est bien. Plus que toi. Cinquante-cinq, c'était un coup. On a eu ça. Ça peut être pas mal ce bouclier. Ah, je crois que ça c'est la nouvelle zone de ce côté-là. Ouais, ça c'est une nouvelle zone ça. Post frontière de Drombach. Comté de Drombach, c'est en rouge. Oh, ok. Oh, on s'en va. Et si tu montes des... si tu mets le truc en rouge, ça ira. Ça va. Je voulais m'avancer un peu, voir un peu ce qu'il y avait. Mais ça ira. Pas besoin. Plus tard. Ça, en théorie, ça sera donc la... C'est passé par là. On avait pris ça. Ouais. Ce sera la dernière zone. On va rentrer.
Mais je sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Genre Tiltren, c'était donc les réfugiés. Oh, peut-être des trucs là-dedans. Problème de réfugiés. Ouais, c'est bien ce que je pensais, des trucs. C'est quoi ça? Des animaux. Ça va, c'est bien. C'est marrant qu'ils mettent un système de température aussi. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bon, il est un peu pourri, hein, le bouclier en lui-même. Mais ouais, c'est marrant. Si la cible est engagée avec cette capacité, cette unité gagne riposte. Ouais, pour les unités qu'on part riposte. Ouais, mais non, mais on est plein d'écus à Lazare, donc... Ouais, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. On a combien en points pour déposer les carcasses. Ah putain, il... ça me rend fou, je crois qu'on a merdé. Hein. C'est une grade, elle a vaillant. Après, c'est pas très grave, c'est juste immunité à la terreur en fait. Ouais, mais ça me fait chier, quoi. De toute façon, on peut pas recommencer, hein, c'est fini. Après, il y en aura d'autres de boss. Mais c'est vrai que d'avoir un tank... Surtout lui qui joue en contre. Putain, tu vas me dire que ça marche pas, du coup, le fait de te tuer en contrant. T'es sérieux? Ça m'énerve, ça. Ça me fait chier d'une force. Après, des fois ça met quelques nuits, mais normalement si c'est pas maintenant, je pense que c'est mort. Might she be looking for work? Here is your reward. Genre qu'ils nous disent on a tué machin et tout, c'était un super combat, blablabla. This inn is mostly a rest stop for travelers on the way. Chier. On peut y penser, c'est pas grave. Be careful if you go into the hills south of here. I heard far. Ça va être compliqué pour moi parce que maintenant je vais l'avoir en tête tout le temps. Je vais avoir que ça en tête. Mais enfin, c'est pas grave. Ah, aussi, on a bientôt fini de... Ça. Ok, presque.
Donc on devrait avoir une autre arme aussi. Ah, c'est frustrant, c'est frustrant. Je me rappelle un boss que j'avais tué avec un dot. Qu'est-ce que j'étais dégoûté, parce que le dot c'est sûr que ça marche pas. Mais là, le contre, je pensais vraiment que ça allait marcher en fait. Mais bon, apparemment non. So this tuba has special properties? Wait, you mean this repulsive root is responsible for our ordeal? The men in my field, I saw them trying to plant the blasted thing. They were knowingly poisoning my vines. This is extremely serious. Broker, here is your reward. Take it and enjoy it while I go to the castle. Stay alert. The broker could send for you at any time. Ooh. On arrive à la fin de l'histoire bientôt. Of course we reported the attack. The guards searched the area. Qu'est-ce qu'il y a là? Frustré. Est-ce qu'il y a un truc pour le bûcheron là? Non. Frustration sur 20. Après, on essaiera de pas faire la même connerie avec d'autres boss. Non. Ah, on les a pris en... Ils vont même pas bouger. Ah putain, il y en a là aussi. Chut. Ah, non. Ah, c'est de la merde. Ce qui est bien en plus avec elle, c'est que elle a le 150% de dégâts, donc ça va bien avec, avec sa hache. Putain. Oh vache. Là, doucement. Il y en a plus que 3, ils vont pas bouger, donc autant tuer tout le monde. Ça c'est bien de pouvoir les prendre en embuscade comme ça. Ah, ils bougent pas. Le pied, Sparta. Niveau 7. Alors, niveau 7.
Ensuite, qu'est-ce qu'il te faudrait? Je dirais pas non pour de la volonté en plus, mais bon, apparemment tu veux pas. On va faire un peu de mouvement. Vu que de base t'as tout le temps moins 2, ça c'est chiant quoi. Là c'est chiant. C'est un choix hein, je mets des... On va aller faire ça. Je mets des armures lourdes donc c'est normal. Hein. Faut passer par là par contre. Ah bah du coup on peut faire ça. Ouais mais on fera ce peu quand on reviendra en fait. Répondez à la... Ah non, 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 ça c'est de l'autre zone, pardon, pardon. Qu'est-ce qu'ils veulent déjà? Rien, je crois qu'ils donnent rien. We are highly sought after in Gothenburg. Unlike other kingdoms, the leaders here tend to their plague-ridden citizens instead of killing them. Ouais, remettre contre elle, c'est bon. It is a great honor for me to offer you my... Ok, non. Pas besoin. Oh merde, je les avais oubliés. Je les avais un peu oubliés sur le coup. Ce qu'on peut faire, on peut reset notre assassin empoisonneur. J'ai du mal avec les noms dans ce let's play. Ça me fait un peu chier honnêtement de pas me rappeler. Ah, c'est quoi Steel Tac, quelque chose comme ça. Il y a Tarus. Il acte. Qu'est-ce qu'ils ont là? Ok, on va peut-être pas les sous-estimer. Là. Fait mal la hache maintenant, putain. Ah et la hache avec ça, avec le 150% là, plus grand chose les gens. Pardon. Il est mort de... parce qu'il a tapé l'armure. Ouais, pas les sous-estimer vite fait quand même. Chiant à tuer lui. Ah, j'ai rien dit.
connais quoi, les dégâts. Est-ce qu'il vous arrive, les mecs, vous avez bouffé du lion? Après, c'est vrai qu'on fait énormément de critiques. Hein. Les critiques, c'est très très, c'est devenu très commun parce qu'on a vraiment, bah, on bouffe tout le temps hein, du. En fait, on bouffe tout le temps du critique en plus. Et j'ai mis quasiment sur toutes les armes 10%. Ah, attends, ça c'est en or par contre. Ouh, coup flamboyant dégâts à la cible et lui applique brûlure. Un pied qui fait brûlure. Rondage du paladin. Composant essentiel de l'équipement du paladin, cette rondage a été bénie dans la cathédrale d'Edoran. What the fuck? What? Le négociant de Alain souhaite entendre votre récit. Ça marche. Ça doit être la fin de l'histoire. Non mais t'es sérieux? Un bouclier qui fait du feu? Ça, ça tue par contre. Ah ouais, non, ça c'est super intéressant, ça. Niveau stratégie, super intéressant. Si tu immunises ton tank contre le feu... Ça peut être super intéressant. You're not bothering me. I just finished eating my mutton stew. What would you like to work on today? A specific skill? A weapon upgrade? 6, toi t'es niveau 7. Ah, on peut augmenter ça. 8 de dague. Et j'ai envie de la tester, ça là, honnêtement. Ça se fait cher. You're not bothering me. I just finished eating my mutton stew. What would you like to work on today? A specific skill? A weapon upgrade? Ça va faire mal. Alors on avait dit que Philacte, on voulait le respect. Ben, j'ai toujours en tête le fait qu'on va peut-être pas avoir le bonus. On va voir le trait là. Alors on avait dit que je voulais faire fièvre moi. Alors, chaque fois cette unité attaque, unité empoisonnée, machin, on met fièvre. Ouais, on va faire ça. Respect, donc Philacte. With this, you've got everything you need. Come back whenever. A spot of exercise helps with digestion. Fièvre. On peut même augmenter fièvre. Voilà, niveau 2. Bon, un truc que j'ai envie de tester la dague, là. Celle-là au final n'est pas vraiment très utile pour lui. Par contre, celle-là, ça peut être marrant. Se désengage et inflige 24 points. Est-ce qu'on peut juste taper? Faut tester. Faut vraiment la tester cette dague, ça m'intéresse.
Est-ce qu'on a d'autres personnes à respect? Non, de toute façon, Tarus, lui, non. On continue avec les gorgeurs. Les gorgeurs poison et tout ça. Ouais, lui, on continue. Est-ce qu'on veut des livres? Pas vraiment. Course. Mettre course. Je vais pas lui voler ça parce que on n'a plus rien à augmenter. Tout le monde a couru. Ah non, mais non, si ça, eux, ils en ont pas besoin. Arrête de laguer le jeu. Lida, il te faut Kourou. Ah oui, il me faut Kourou et provocation en fait. Et on avait dit provocation sur unité déjà affaiblie lui applique également vulnérabilité. Voilà. Might I interest you, my humble wares, my good sirs? Prends du vin. Ah, attends, j'ai des conneries. Oh, non, c'est bon. Là, fais voir. J'aime bien les petits bruits qu'ils ont mis. Ting, ting. Alors, le château, c'est ici. N'y était pas allé. Ah, ils ont un forgeron et tout, c'est cool. The fact that Lord Old Marheim lets me work here proves just how trustworthy I am. C'est super intéressant, mec, dis-moi. You should reconsider my offer. Without our scholars, you are finished. I... Vertruz is nothing without its vineyards. Not only do you risk a peasant uprising, but you could also lose everything you have, including your broker title. In light of your situation, my price is more than reasonable. I am well aware of this, Lady Adra Alazar, but I beg of you, give me more time. The decision must be approved by the Broker Council. As for myself, I am already engaged. My daughter will not wait forever, just as your farmers won't sit idly while their fields wither. You must decide. Hurry, before there are no vineyards left to save. Rosal Loop told me of your discovery. If I didn't trust her, I wouldn't believe a word of this tale. A single plant smothering thousands of others, mysterious men sowing its seeds and willing to kill to hide their misdeeds. We must find out who they are working for and root out this tuber from our soil. And I want you to take the lead. You know what the plant looks like, which will buy us some precious time. Okay. The apothecary's apprentice has just sent me the recipe for a potion that can kill any plant. Take it. You will need it to eradicate this parasite. Potion désherbante. I had to wait for the public audiences to speak with the broker. Ouais, mais nous on est spécial. Nous on vient directement, on nous parle, nous.
Alors... Je crois qu'il faut qu'on aille à l'alchimiste. Potion désherbante. Et il en faut combien? Je crois qu'il en faut 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. On va rentrer. Voilà. Oh non! You were wanted for a number of crimes. We will not thank you for your contribution. Désolé. On recommencera pas. On va essayer. Pas aujourd'hui en tout cas. Alors. Marché. I would offer wine to go with your cheese, but the disease has all but destroyed. Strange. The market doesn't stink quite as much now. Très bien. Alors, alchimie, on va faire déjà les 3 potions. Donc, potion désherbante, il me faut quoi? Il me faut une. It's all so confusing to me. Who? Alors, potion désherbante. 3. Et des poudres aussi, c'est très bien. Apara. Givre acier. Je vois pas pourquoi j'en ai fait qu'un seul. Enfin, je vais garder la poudre d'Alazar. J'en ai besoin. Il me faudrait une essence de vierge. Il faudrait que je mette critique sur la hache. Tant qu'on y est. Ça. Alors. Celle-là, on va la garder parce que si jamais on veut changer de dague. Ferrure est plus simple à crocheter, on s'en fout. Grès en minant, on s'en fout. Ça, on range. On va en déposer un peu. Merde. 30. C'est où les plantes? Je fais un peu le tri. Hein, de... Ça aussi, on va le déposer. On va les garder pour plus tard. Ok, donc ça. Ce bouclier m'intéresse vachement. Qui m'intéresse vachement. Est-ce que ça m'intéresse genre maintenant? Non. Mais on va le garder de côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est quoi? Si la cible est engagée avec cette capacité, effectue une attaque d'opportunité. Ah oui, oui, oui. Celle-là elle est pas mal. Je l'utilisais en early access. Elle est pas mal, mais pas vraiment intéressant. Je suis pas intéressé en fait par la truc. Je crois que j'ai fait une connerie. Ah, c'est des fioles qui manquent. Okay, ça... It's all so confusing to me. Essence de vierge, on va en faire une. Et on va faire donc l'huile d'affinage. Très bien, on va la mettre à là. Critique 10%. Qui c'est qui manque de critique? Là on a une lance. Ah oui, il y a celle-là aussi. En plus elle est améliorable. Si jamais elle est bien, on peut lui mettre critique dessus.
j'ai envie de dire. On peut garder une potion. Attends, je peux en faire combien là? Ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi, Mene aussi. Ouais, mais Mene, il a du critique de merde de toute façon, c'est pas très très intéressant. Enfin, pour le moment, c'est pas super... Qu'est-ce qu'on peut faire? Faudrait une fiole. Ouais, allez. It's all so confusing to me. Who would do this to my family? Tu veux qu'on peut le faire, on le fait parce que c'est quand même vachement puissant de pouvoir avoir genre 10% de critique en plus comme ça. Donc ouais, je vais mettre 10 sur la masse. Et je garde celle-là pour la dague là. La nouvelle dague. Et si et parce que faut que je la teste ou je la connais pas. Donc si vraiment elle est bien, on met un 10% dessus. Si c'est pas intéressant, que l'attaque est pas intéressante. Ce que je voudrais, est-ce que cette attaque, genre, il faut être engagé à tout prix? Parce que s'il faut être engagé à tout prix, non, c'est pas bon. Mais voilà. Alors la taverne. Might she be looking? Here is your reward. Apporter le message informatif à la nouvelle HTL. Ça doit être la nouvelle zone, ça. Alors, cohorte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bruit de confiance, bénévole rapide, agile feignant. I'm concerned about the vineyard disease. Ok, je pense qu'on est bon. Ah, on peut prendre des missions en plus, honnêtement. Parce que ça va être sur le chemin, les missions elles vont être rapides, on les tue vite. Might she be looking for work? Genre en un tour c'est fait quoi. Ouais. On aura fini après l'histoire. On ira. On fera les. Comment ça s'appelle? Les. Je vais y arriver. Les rats. On fera les rats. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? On est bon en poids. Ah, ça va. C'est un peu lourd. Ah, j'ai les dagues et la hache. La hache, faut que je la détruise. On va se reposer. Avant de faire ça. Ouais, on va se reposer ici. Comme ça, je passe la nuit et on sera bon. On va désassembler ça. Que je fasse quelques torches. Il faut vraiment que je fasse des... Enfin, les torches, c'est pas vraiment pour le moment. Mais il faut vraiment que je fasse des objets de lancer, en fait. Vraiment que je fasse ça. Alors... Ah oui, je vais voir le... C'est toi qui a... Oui, c'est Mara Cédès. Chance de récupérer des ingrédients.
qui marche jamais hein, au passage. Qui marche strictement jamais, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi. C'est bon. Et on prend du critique. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, je crois que je me suis fait enfler la terreur. Hein. Le bonus. Ouais, je me suis fait enfler le bonus. Putain. Ah, c'est chiant ça. Ah, j'avoue que ça me dégoûte. J'avoue que ça me dégoûte. Ouais, mais là, on est positif là. Là, on est positif. Donc, si c'est dot, ça marche pas. Si c'est contre, ça marche pas non plus. Il faut absolument jouer, en fait. Ah, c'est relou. Bon, on a une nouvelle arme. Donc, c'est une hache. La hache de Nepti. Cette hache ressemble davantage à une arme d'apparat qu'à un instrument de mort. Donc, la finesse de ses gravures est délicate. C'est à une main ou deux mains? Une main. Summer de laideur. Dégâts à toutes les cibles dans la zone et applique 2 de corrosion et poison. Corrosion, ça c'est nouveau pour moi. Perd 15% de son armure maximum à la fin de son tour. Poison. Waouh. Ok. Bon bah si Léa, let's go. Ouh, elle est jolie en plus. Summer de laideur. Pas mal. Deux de corrosion et poison. Ah mais attends, tu fais deux de corrosion et c'est 15%, donc c'est 30% d'armure qui part. Pas mal. Ouais, par contre 17 de dégâts. Ouais mais elle est pas très très haute en fait, elle est niveau 5. Ouais, faudrait l'augmenter. Faudrait aller l'augmenter, lâche. Alors... faire le reste. Bon, on va s'arrêter là. Ah, mais ouais, c'est con. Pas de terreur. Pas de d'immunité à la terreur. Après, je vais être honnête. Théorie, on n'en a pas vraiment besoin. Il faut faire 5 de terreur, je crois, pour que le personnage s'enfuit. Mais honnêtement, pour arriver à 5 de terreur, il faut être un gros bourrin et genre mettre son perso seul en plein milieu de bête fantôme, honnêtement. Pour qu'il se fasse toucher 5 fois en un tour, par exemple. Après, c'est vrai que pour lui, ça serait vachement utile pour Johan. Parce qu'on le joue en riposte, en fait. Donc, se désengager, ça nous on se fait attaquer. Donc, du coup, on récupère un terreur à chaque fois. Donc, c'est intéressant. Après, les créatures terreur, c'est pas vraiment les choses qu'on combat souvent. C'est pas... enfin, voilà, quoi. Donc c'est pas trop grave. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'ils soient bien forts les gens. Après il y a d'autres boss. D'autres boss, on essaiera de pas merder. Mais ouais, c'est comme ça. C'est pas grave. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.